Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geeky World, la chaîne qui tente de mettre en avant la culture pop. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, je le sais, assez tardive, sur le fameux Justice League, le fameux Snyder Cut. Donc je vais vous dire tout de suite mon avis, hein, pas de blabla, on se retrouve tout de suite après le générique, restez connectés jusqu'au bout. Avant de débuter ma critique, je suis bien évidemment obligé de vous faire un petit historique de ce qui s'est passé avant cette fameuse Zack Snyder Cut. À la base, la Warner a mis Zack Snyder en avant pour être le ténor d'un certain DC Univers. Cela a débuté avec Man of Steel, ensuite Batman vs Superman et par la suite Justice League. Zack Snyder avait dans l'esprit avec Justice League d'en réaliser une trilogie. En tout cas, au moment du tournage et surtout de la post-production, Zack Snyder a vécu un grand malheur puisque sa fille s'est suicidée. Il a donc préféré, et on ne peut que le comprendre, quitter la production du film. Au pied levé, c'est le réalisateur Joss Whedon qui le succède, un réalisateur connu puisqu'il a mis en scène les deux premiers Avengers, et il a été le showrunner de la série Buffy. Donc à la base, on pouvait dire que ce metteur en scène était plutôt un bon choix. Sauf qu'il y a 3 ans, au moment de la sortie de Justice League, le film s'est fait littéralement démolir, non seulement par les fans, les spectateurs, mais également par la critique. Ce qui fait que pour la Warner, Justice League a été une déception au niveau box-office. J'ai d'ailleurs réalisé une critique sur ce film. Je vais mettre les liens dans la partie descriptive. Donc si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à y jeter un œil. Les deux, c'est mieux. Dans la version de Joss Whedon, il subsiste quasiment rien du film de Zack Snyder. Ce qui fait que les fans sont montés au créneau sur Internet pour exiger une Snyder Cut. Ce qui fait que grâce à l'appui des fans et même une grande partie du casting, eh bien ce Zack Snyder Cut, totalement improbable, eh bien il s'est réellement réalisé. Ce qui fait que maintenant on peut voir ce film sur HBO Max, mais également en SVOD, on peut le louer, l'acheter, et dans quelques semaines, il sera même vendu en support DVD Blu-ray. Donc pour une fois, même si je critique souvent que on a l'impression que les artistes n'ont plus leur mot à dire lorsque les fans sur les réseaux sociaux crient leur mécontentement ou non sur certains sujets, et bien là, pour une fois, on peut dire que grâce aux fans, et bien ce Snyder Cut existe et c'est plutôt une bonne chose. À la base, le film coûte 300 millions de dollars et la Warner, à la base, en a filé 70 millions de plus pour que Zack Snyder puisse peaufiner son Snyder Cut, tourner d'autres scènes et finaliser le montage. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on se retrouve avec un long métrage monstrueux de 4 heures. Et maintenant que je l'ai vu, on peut dire qu'il subsiste très très peu de choses du film de Joss Whedon. On va dire que grosso modo, il en existe moins de 30 minutes, mais même avec ça, c'est monté sous différents angles, ce qui fait que on reconnaît vraiment pas la version de Joss Whedon dans ce film. En d'autres termes, ce Justice League 2021 n'a quasiment rien à voir avec le Justice League d'il y a 3 ans. Lors du visionnage du film, certains spectateurs ont été très surpris de constater ces fameuses bandes noires à droite et à gauche de leur écran. En effet, ce film a été tourné en format 1:33. En gros, c'est plus ou moins le format 4 tiers et c'est le format natif lorsqu'on tourne en 35 mm. Et c'est également le format pour être projeté en IMAX. Bref, c'est un choix voulu dès le départ par le réalisateur. Les scènes, les images n'ont pas été coupées, c'est le contraire. Vous avez l'intégralité des images. C'est vraiment ce qu'a voulu Zack Snyder initialement. On peut en effet constater qu'il a filmé ses super-héros avec une certaine verticalité, ce qui peut expliquer ce format.
On peut également constater que la colorimétrie de ce film n'a rien à voir avec le film de Joss Whedon. Il est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus saturé. Les couleurs sont parfois plus chaudes, voire plus froides. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec la colorimétrie du précédent film. La bande originale n'est plus composée par Danny Elfman, comme pour le précédent, mais c'est par Junkie XL. Alors c'est vrai que Danny Elfman, depuis des années, n'a plus vraiment le feu sacré. On est très très loin de ses chefs-d'œuvre qui ont été pour moi Edouard aux mains d'argent ou Batman le défi. Mais pour moi, ça restait quand même une musique sympathique. À certains moments, il rendait hommage à sa propre musique, comme celle de Batman, où il a également mis quelques thèmes des précédents Superman. Ça fait un peu bizarre, c'est vrai, mais moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est une BO que j'aime bien, mais qui est loin d'être exceptionnelle. Tandis que Junkie XL reprend les thèmes de ceux de Hans Zimmer, mais je trouve que c'est quand même pour moi plus du chaos, du brouhaha musical, qu'une réelle belle partition qui puisse s'écouter à l'extérieur des images. C'est une musique qui épouse parfaitement les images de Zack Snyder, mais à l'écoute, hors cinéma, hors film, c'est tout simplement assez insupportable. Moi, je peux pas. Donc, je préfère la BO de Danny Elfman. Mais la musique de Junkie XL, elle est pas mal pour le film de Zack Snyder. Au niveau de l'intrigue, je vais être très rapide. C'est exactement la même que l'intrigue du film de Joss Whedon. C'est donc Batman qui tente de réunir les super-héros pour combattre Steppenwolf et Darkseid. Et c'est tout, hein, y a pas grand-chose d'autre dans le scénario. Au niveau du casting, c'est bien évidemment le même que pour le précédent film, vous en doutez bien, mais il y a quand même quelques rajouts, comme l'acteur Jared Leto qui incarne Joker. On le voit dans un plan, dans des séquences assez rapides, qui n'ont pour moi pas grand intérêt, qui rend plus ou moins référence à la bande dessinée d'Alan Moore, Sourier, et qui peut-être faire résonance à possiblement à des autres films qu'on pourrait peut-être voir, d'autres suites à Justice League, mais vous allez voir que c'est peu probable qu'on ait des suites à Justice League. Donc je trouve que l'ajout par exemple de Joker dans ce film-là n'a pas grand intérêt à mes yeux. Alors comme je l'ai dit, le film dure 4 heures. Et on peut dire que les deux premières heures, c'est une très longue exposition des personnages. Malheureusement, je trouve que le personnage de Batman n'a pas été plus étoffé que ça. Il y a plus de scènes entre lui et Alfred, mais ça rajoute pas grand-chose à mes yeux au niveau de la psychologie et de l'intrigue. Pour Superman, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup d'ajouts par contre. Alors, mis à part qu'ici, on voit Superman avec son costume noir, puisque là, Superman est plutôt vu comme sous un angle plutôt dark. Mais bon, voilà, pas grand-chose à dire en plus. Oui, alors, la faute de goût qui a été faite pour le précédent film avec ses fameuses moustaches qui ont été enlevées, ça a été réparé ici. Mais donc, voilà, bon. Il n'y a pas des scènes marquantes avec Superman qui ont été rajoutées dans ce film. Je vais tout simplement dire que le personnage qui a le plus bénéficié de cette Zack Snyder Cut, c'est le personnage Cyborg. Ici, on a une véritable origin story. Et grâce à cela, on peut dire que ce personnage devient enfin intéressant, voire même touchant. Car on peut le dire, avec le précédent film, il a totalement été sacrifié. Donc on peut dire que l'interprétation de Ray Fisher pour Cyborg, cette fois-ci, dans cette Snyder's Cut, ça vaut vraiment la peine. C'est peut-être pour moi le gros point fort de ce long métrage. Pareil pour Flash, son personnage a également été un peu plus travaillé, mais pas suffisamment pour moi pour qu'il soit
un personnage réellement intéressant. C'est peut-être la facette Joss Whedon la plus visible dans ce film via ce personnage Flash, dont on a gardé son humour. Cet humour a beaucoup gêné certains spectateurs. C'est vrai que Justice League est un film très dark, très sombre, et cet humour dénote, mais moi ça ne m'a pas dérangé. Cet humour n'est pas omniprésent, et je trouve que souvent les gags font plutôt mouche. Alors pour moi, l'interprétation d'Ezra Miller, ça fait un peu du sous Peter Parker, c'est vrai. On a plus l'impression de voir du Spider-Man que de Flash, mais encore une fois, ça ne me dérange pas. Un peu de légèreté dans ce monde brut, pourquoi pas. Le personnage de Steppenwolf a été mieux finalisé dans cette version. C'est vrai que c'était une catastrophe dans la version de Joss Whedon. Là, il est un peu plus impressionnant. Alors, il est loin d'être Thanos. C'est quand même un méchant que je trouve pas très intéressant. Mais bon, voilà, on va dire qu'il fait le job dans ce film-là. Le véritable méchant, on constate que c'est Darkseid. Mais voilà, bon, les interactions entre Steppenwolf et Darkseid, je les trouve pas très passionnantes. Hein. C'est quand même une intrigue très basique. Steppenwolf qui cherche trois boîtes, qui grâce à cela, Darkseid va pouvoir être le maître de la Terre et détruire toute vie pour en créer éventuellement une autre. Enfin bon, bref. C'est quand même du bateau, c'est pas très intéressant. Je ne suis pas un grand fan de Zack Snyder, je ne suis pas un détracteur non plus. J'aime beaucoup sa version de Watchmen, j'aime beaucoup son premier film L'Armée des Morts. Même 300, je trouve l'œuvre plutôt sympathique. Mais voilà, je suis pas un grand fan, mais pas un détracteur. Ce qui fait que j'attendais ce Justice League avec une certaine patience, on va dire. Avec une grande curiosité, en tout cas. Car c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire du cinéma. Un tel projet, on n'a jamais vu ça auparavant. Un film de super-héros de 4 heures qui a été mise en avant grâce aux fans qui ont, sur Internet, quasiment obligé la Warner à l'accepter. C'est quasiment du jamais vu. C'est donc, voilà, j'ai vu ce film avec beaucoup de curiosité. Et on peut dire que je pense que vous commencez un peu à deviner ma pensée, mon avis sur ce film. Il est plutôt en demi-teinte. Pour moi, sans nul doute, c'est probablement le blockbuster de l'été, comme Tenet l'a été l'année dernière, car en termes de grand spectacle, en termes d'ambition, on va dire, visuelle, eh bien, je vois pas du tout quel film pourra rivaliser avec celui de Zack Snyder. C'est que pendant 4 heures, vous allez en avoir plein les yeux. C'est quand même un grand spectacle assez impressionnant. Globalement, les images sont somptueuses et on peut dire qu'on a ici la quintessence de la Snyder Touch. En d'autres termes, si par contre vous n'aimez pas Zack Snyder, vous allez sans nul doute souffrir à la vision de ce film. Visuellement et thématiquement, le film est vraiment très sombre. Mis à part le personnage de Flash, il n'y a quasiment pas d'humour. Globalement, le film est même assez violent. Il y a même quelques petites séquences gore, mais n'exagérons rien non plus. Le film est interdit au moins de 12 ans, et là, bon, je trouve que c'est... Oui, comme je l'ai dit, c'est assez exagéré. Largement plus violent qu'un film Marvel, mais c'est pas Watchmen non plus. Je lis pas mal ici et là que pour beaucoup de spectateurs, ces 4 heures, c'est passé comme une lettre à la poste. Eh bah, pas pour moi. Je dois vous dire que au bout de 3 heures, j'ai vraiment particulièrement peiné à continuer. J'ai dû m'y reprendre 2-3 fois car je piquais du nez. 4 heures, c'est beaucoup trop long pour moi. Je trouve que le scénario est beaucoup trop basique, beaucoup trop balisé pour me passionner. Et pour moi, clairement, 3 heures m'auraient largement suffi. Voilà. Donc, je vois pas mal de spectateurs qui, pour eux, bah, ça s'est très bien passé. Ils en ont demandé même plus. Bah, c'est pas mon cas. Au niveau des effets spéciaux, je peux vous dire que j'ai pourtant une mauvaise vue, eh bien, je trouve que certaines séquences piquent vraiment des yeux. On est quand même assez proche d'une cinématique PlayStation. Alors, globalement, on est d'accord, les effets spéciaux sont plutôt réussis.
mais il y a quand même certaines séquences, et elles sont nombreuses, où on voit que c'est pas finalisé. Alors est-ce que c'est un manque d'argent, un manque de temps? Je ne sais pas, mais il y a quand même quelques séquences. La fin, par exemple, le combat final est pour moi une bouillie numérique assez difficilement compréhensible, en tout cas à mes yeux. Au bout d'un moment, je ne comprenais plus vraiment ce qui se passait. Voilà, ça m'a un peu gavé, faut dire ce qu'il est. Et il y a quelques séquences ici et là, notamment au début, où on voit les fonds verts, mais ça ne me gêne pas. Mais il y a des incrustations, des personnages, des choses qui sont très pixelisées. Et lorsque vous voyez le film en 4K, ce qui est mon cas, ça se voit vraiment. Donc pour moi, c'est un problème. Il faut savoir qu'il va y avoir une autre version de ce film qui va sortir en noir et blanc. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais il est fort possible qu'en noir et blanc, ces problèmes au niveau des effets spéciaux se verront beaucoup moins. Mais là, quand même, ça pique des yeux à certains moments. On sent vraiment que Zack Snyder s'est fait plaisir. Il avait carte blanche et croyez-moi, il en a joué. C'est quand même un film où il le dédie à sa fille. Donc je pense que pour lui, c'est une œuvre très personnelle. C'est une œuvre très marquante pour lui. Et on sent que là, il s'est dit, je vais tout mettre. Je vais y aller à fond. Ça sera du Zack Snyder 100%. Je pense qu'en effet, les fans vont adorer, mais ceux qui ne le sont pas vraiment, comme c'est plus ou moins mon cas, ça peut être compliqué à certains moments. Même si j'ai quand même bien aimé l'ensemble, et en tout cas une chose est certaine, c'est un film qui est largement supérieur à celui de Joss Whedon. Là par contre, il n'y a pas photo, il n'y a pas doute, c'est vraiment le cas. Ça serait assez désobligeant, j'ai envie de le dire, de dire le contraire. Lorsqu'on voit le premier film et on voit le second, on sent quand même que visuellement, en termes de grand spectacle, le film a quand même beaucoup plus d'impact, beaucoup plus, oui, en effet, d'ambition. Les personnages sont quand même mieux exploités. Voilà, mais bon, l'intrigue est quand même très basique. Et on sent que ce film, eh bien, ici et là, il y a quelques dialogues, quelques séquences qui poussent à ce qu'il y ait une suite. Et malheureusement, la Warner, pour le moment, n'est pas très chaude pour une suite. Et c'est dommage, quoi. Parce que ce Justice League va être orphelin s'il n'y a pas de suite. Et j'ai l'impression de voir une œuvre, encore une fois, malgré tout, incomplète. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que je souhaitais sur ce film. Voilà, pour moi, c'est donc une œuvre en demi-teinte. C'est un bon film, assurément, mais voilà, il y a des choses qui m'ont dérangé. J'ai pas parlé des ralentis, ça me revient maintenant. Alors moi, je n'ai rien contre dans les ralentis, même dans les films précédents de Zack Snyder, je trouve que globalement, ils sont plutôt bien exploités. Mais là, quand même, il y a des ralentis quasiment tous les 2-3 minutes. Alors, les ralentis sont faits pour iconiser les moments, iconiser les personnages, pour accentuer une séquence, une tension. Mais là, il y a des moments, j'ai trouvé ça quasiment gratuit. J'ai pas compris pourquoi il y a autant de ralentis. Au bout d'un moment, ça va quand même saouler. Et c'était pas le cas dans les précédents films de Zack Snyder. Donc, voilà. C'est vraiment du Zack Snyder à 300%. Donc, si vous aimez ce réalisateur, c'est certain, vous allez prendre votre pied. Si vous ne l'aimez pas, je pense qu'il vaut mieux pas vous infliger ces 4 heures. Vous n'allez pas accrocher. En tout cas, ma critique, je l'arrête ici. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. J'ai hâte de vous lire. Likez, partagez la vidéo parce que ça me fera très plaisir et c'est bon pour le référencement. Si vous appréciez globalement mon travail, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye !